Bonjour, ça va? Bon, vous faites toujours comme si vous ne voyez pas mes boucles, non. Je vais insister. Vous voyez, non. C'est très joli. Moi, j'adore. Regardez. Ça vient en trois parties, je rappelle encore. Comme vous faites comme si vous ne voyez pas là. Je vais insister, je vais vous poursuivre avec jusqu'à ce que vous allez voir. Donc, cette partie, on la met d'abord. Ensuite, on met ce qui est derrière. Et puis, on fixe ça avec. Je vais même enlever pour que vous voyez. Voyez, non. Et puis, il y a cette partie. Et cette partie. Donc, je mets d'abord celle-ci. Ensuite, oh, je mets celle-là. Et puis, je fixe. Maintenant, vous avez vu. Faites encore comme si vous ne voyez pas. Je vais encore vous harceler avec. Bref, c'est pas pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Vous vous rappelez la première dame qui avait reçu son colis depuis l'Espagne et qui a ouvert. Elle était très contente. Moi aussi, j'étais très contente parce que l'Espagne, c'est l'un des pays les plus compliqués avec la douane. Alors, elle a voulu partager son histoire avec nous en vidéo. Et elle a été inspirée par une des candidates Fa. Voilà. Et voilà, on va regarder sa vidéo et revient après. Bonjour Ricky Arbay, bonjour YouTube, c'est Séné de l'Espagne. Buenos días a todos. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes produits de beauté, mes secrets de beauté, les produits que j'ai achetés chez Ricky Arbay. Et j'aimerais vous parler un peu d'elle aussi, oui. Ricky Arbay, je l'ai connue à travers YouTube. J'étais entrée sur YouTube pour chercher un produit de beauté qui s'appelle Claire White. Et je me suis tombée sur ces vidéos. Oui. J'ai vu pas mal de témoignages des jeunes filles qui ont acheté ces produits et qui ont eu des résultats satisfaisants. OK? Mes amours, je ne parle pas bien français, mais aujourd'hui, je vais m'en débrouiller pour faire mon témoignage. Oui, pour faire mon témoignage, parce qu'avec ces produits-là, c'est du miracle, c'est du miracle. Oui. Quand j'ai vu toutes ces choses-là, mais celle qui m'a beaucoup impressionnée à prendre contact avec Ricky White, c'était une fille qui s'appelle Fa de France. Fa de France, celle-là. Avait beaucoup de taches sur son corps et je me suis vu comment elle a beaucoup changé. Elle a complètement changé. Elle a eu des résultats surprenants. Oui, je me suis dit, mais pourquoi pas prendre contact avec cette femme-là? Pour moi aussi, j'ai presque le même problème avec Fa. Oui, j'ai pris contact avec Ricky White. Je lui ai ajouté sur WhatsApp. Je lui ai parlé mon problème et elle m'a traité très 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 bien même. Très bien même. Elle est toujours disponible avec ses clientes. Elle est toujours disponible pour répondre aux questions. Elle est toujours disponible. Jamais, moi, jamais, 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 je lui ai envoyé un message et elle m'a pas répondu. Non, non. Tout le temps, si j'envoie un message, elle répond. Elle répond. Et elle me traite très bien. Elle fait des suivis, quand elle te vend des produits, elle va te recommander comment tu vas l'utiliser, elle fait des suivis, elle va te suivre comment va tes produits, comment ça progresse et tout. Oui. Quel problème? Si tu as problème, si tu lui contactes, elle va corriger les affaires. Non, si ça ne te va pas, donc alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça là, et on verra. Oui, elle fait des suivis. C'est ça qui me plaît beaucoup chez elle. Elle fait des suivis. Oui. Et je me suis parlé avec elle. J'ai mis des photos et tout. Je lui ai montré quel problème que j'ai. Oui. Elle m'a dit que ma peau est complètement abîmée, mais ça ira, Inch'Allah. Oui. Ça ira. On pourra faire quelque chose. Et elle m'a proposé une gamme. Attends, je vais vous montrer la gamme qu'elle m'a proposée. Avec cette gamme-là. Et les filles, avec cette gamme-là, ouf, c'est du miracle, miracle, miracle. Attendez, je vais vous montrer la gamme qu'elle m'a proposée.
Elle m'a proposé lait de corps 55 as plus, sa glycérine, le Jergens, 6 bottes. Regardez, vitamine E, sérum 55 as plus. Regardez, sérum Macari, le glutathiol, complément alimentaire. Oui, c'est ça qu'elle m'avait proposé. Mais avec ce lait de corps Jergens là, là, c'est du miracle parce que moi, mon corps, j'avais beaucoup de vergetures ici, hein, dans mon ventre, mes cuisses, partout. Mais avec ce lait de corps là, avec ce Jergens là, ouf, je me suis débarrassée des vergetures, je me suis débarrassée des vergetures. Oui, je vous dis, en sérieux, hein, je me suis débarrassée des vergetures. Ça me reste ici, ça me reste un petit peu, mais mon ventre, mes cuisses, ouf, je dis gracias a Dios, porque ahora le tengo muy bien, perfecto. Ok, les filles, pour cela, je me suis dit, donc je vais vous partager mes secrets avec vous, d'acheter les produits de Ricky White, parce que quand elle ne te vend pas des produits et te laisse aller. Non. Elle te vend ses produits et elle te donne mode d'utilisation. Elle te dirige. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Ouf. Jusqu'à ce que tu vas avoir le résultat que tu souhaites. Tu savais? Je m'excuse, les amis. J'ai l'habitude de parler espagnol. C'est pour cela que je mets des mots espagnols. Donc, je m'excuse. Et maintenant, regardez mon visage. Je me suis lavé seulement et me pomadé faire des vidéos. Je n'ai pas me maquiller. Il n'y a pas de maquillage ni nada. Allez. Et maintenant, mon problème sont mes doigts. Allez, mes doigts. Mes doigts, mis manos. Mira. Allez. Lo tengo un poco negro, ¿sabes? Ah, y a des points noirs ici partout et mon visage est un peu plus clair que mes bras. Oui, c'est ça mon problème. Et mes pieds aussi sont comme mes bras. Mon visage et mon corps sont beaucoup plus clairs. Donc, si tu as quelque chose à me proposer concernant mes doigts, donc je suis à l'écoute. Les filles, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'aimerais bien que vous achetiez les produits de Ricky White parce que c'est de l'original. C'est de l'original. Je répète encore, de l'original. Vale? Et c'est tout. C'est tout. Comme je ne parle pas bien français, je ne peux pas m'exprimer tout ce que je veux parler. Vous voyez, je mets maintenant des mots en espagnol, comme je me suis habituée à parler espagnol. Mais je crois que vous savez ce que je voulais dire. Merci, Ricky White. Regarde mon visage, lisse, rajeuni. Waouh! Merci, ma belle. Et bonne continuation. Et les amis, je vous reviens encore avec mes résultats parce que je viens juste de démarrer. Je viens juste de démarrer. Je suis nouvelle. OK? Dans 3-4 mois, je vous reviendrai avec des résultats blanchissantes. Merci. Voilà, je suis très contente que voilà, ça commence à marcher pour elle. Elle vient juste de commencer, donc on va lui laisser encore le temps d'observer son traitement, de voir comment ça marche. Rappelez-vous, quand vous utilisez un produit, surtout quand c'est un nouveau produit, vous devez laisser le temps d'adaptation au produit parce que parfois le changement de produit d'un produit à un autre, ça fait parfois que la peau ne s'adapte pas aussi vite qu'on le voudrait.
Donc, il faut souvent vous laisser un peu de temps. Parfois également, comme j'expliquais, certains produits peuvent ne pas marcher dans votre combinaison et dans ce cas, on peut réajuster vos produits et puis changer ici, ajouter ça ou... Vous voyez, donc ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Et la femme s'est dit, elle a posé un problème très sérieux par rapport à ses mains. Donc, c'est un problème très récurrent pour beaucoup de personnes qui ont eu à utiliser des produits éclaircissants, les doigts qui font des démarcations et qui laissent des taches noires partout. Malheureusement, c'est très difficile à partir. Ça part, mais ça prend du temps. Donc, donnez-vous du temps, soyez patient. Et parfois, ces zones aussi peuvent se développer en zone rebelle, c'est-à-dire que vous utilisez plusieurs choses, mais ça ne part pas. Mais en général, ça s'arrange avec le temps. Donc, forcément, le corps, tout le reste du corps va prendre plus vite et ces parties vont tarder à venir, mais ça va se corriger avec le temps. Au bout de, comme elle a dit, elle va se donner 4 mois. Donc, c'est bien pour que ça ait au moins un résultat positif à ce niveau-là. Une autre chose que je voudrais rappeler, un cas qui me revient très, très, très souvent, c'est que une remarque générale que j'ai faite, c'est que beaucoup de personnes qui utilisaient des produits éclaircissants en Afrique, quand elles arrivent en Europe particulièrement, elles commencent à développer des boutons qu'elles ne comprennent pas, elles commencent à développer des réactions cutanées vraiment bizarres, parfois c'est des boutons, parfois le produit ne marche plus complètement, et c'est beaucoup plus des produits qui contiennent. Ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup plus de produits qui contiennent de l'hydroquinone, qui contiennent, oui, beaucoup plus de produits qui contiennent de l'hydroquinone. Particulièrement, la majorité d'entre ces personnes ont utilisé Carotone. Je voudrais rappeler que quand vous changez de climat, parfois également la peau réagit déjà de manière naturelle, même si vous n'utilisez pas de produits éclaircissants. Par exemple, vous quittez d'ici pour aller dans un autre pays. Bref, vous comprenez ce que ça veut dire changer de climat. Maintenant, quand vous utilisez des produits éclaircissants, déjà qu'en Europe, leur eau contient beaucoup de calcaire, ça peut être un des facteurs, ça peut être une des raisons pour lesquelles la peau réagit aussi mal. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous êtes en Afrique et que vous utilisez des produits éclaircissants, si vous avez l'intention, excusez-moi, si vous avez l'intention d'aller en Europe pour y vivre, pas peut-être pour les vacances, parce que ces gens qui ont ce genre de problème, généralement, ils ont fait pratiquement, c'est après peut-être 1 an ou quelques mois, peut-être 6 mois comme ça qu'ils ont commencé à développer ce genre de réaction. Donc, si vous avez l'intention d'aller vivre en Europe, pensez déjà à essayer de laisser les produits qui contiennent de l'hydroquinone. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivent en Europe n'utilisent pas des produits qui contiennent de l'hydroquinone. Moi, je suis juste en train de dire, quand vous changez de climat en utilisant des produits qui contiennent de l'hydroquinone, ça peut poser ce genre de problème. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi la cause de ce problème, mais c'est une remarque générale que je fais, comme je dis. Beaucoup de personnes ont ce problème. Ils arrivent en Europe, quand ils étaient bien au Cameroun, en Afrique. Peu importe le pays, hein, ce n'est pas seulement venu d'Afrique, du Cameroun, beaucoup de pays africains, dès qu'ils arrivent en Europe, ah, même ici aux États-Unis, dès qu'ils arrivent aux États-Unis, beaucoup aussi me contactent ici aux États-Unis, ils disent que je suis arrivée et puis j'ai commencé à avoir des boutons, pourtant je n'en avais pas et tout, j'utilisais ceci et ça et c'était bien et tout. Bon, et quand je vois les produits qu'elles utilisaient, c'est toujours des produits avec hydroquinone. Donc faites un peu attention à ce niveau-là. Déjà, vous devez comprendre que l'utilisation des produits avec hydroquinone ne devrait pas se faire sur un long terme parce que plus vous en utilisez, plus la peau se fragilise. Bref, vous comprenez. Bref, et puis je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, je pense que pour le moment, c'est l'information que je voulais quand même vous passer aussi. Merci beaucoup à notre First Lady depuis l'Espagne et merci beaucoup à toutes les autres First Lady qui ont déjà eu à poser leur témoignage. J'attends toujours le vôtre. J'attends, j'attends, j'attends. Que ce soit en audio, que ce soit en vidéo, comme il vous plaît, comme ça vous arrange. On veut juste connaître votre petite histoire que vous avez à nous raconter. D'accord? Merci beaucoup. À la prochaine. Et encore. Vous avez vu mes boucles, non?
non. Comme je finis la vidéo en parlant des boucles maintenant, là, il faut me dire que vous avez vu mes boucles. Elles sont jolies, non? Moi, j'adore en tout cas. Ok, bon, parlant de la vidéo pour les tâches, je n'ai pas toujours oublié. Hein. Je n'ai pas, c'est une promesse que j'ai faite. Je n'ai pas oublié. Je suis peut-être en train de me dire qu'il faut que j'édite la vidéo là et puis je la poste directement. Ou bien, je suis en train de réfléchir parce que c'est une question de temps aussi. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'essaye de voir. Aussi, je finis la vidéo en vous disant merci énormément. Et vous demande encore, vous avez vu ma boucle, non? Elle est jolie, non? Allez, bye bye.